Coucou tout le monde, ici les Autumn Mustang disciples. Ouais, avec toi. Bon, y a eu quelques décès dans le groupe. En fait, tout le monde est mort. Non, on les a tous licenciés parce qu'il n'y a plus du cul. On les a virés parce qu'ils étaient vulgaires, voilà. Non, c'est juste qu'ils ont des empêchements, ou ils veulent pas, et ils sont occupés, donc c'est pas grave, on sera plus... Aussi, ouais, aussi. On sera plus la prochaine fois. Alors, on va aller faire cette foutue quête. Cette foutue quéquette. Voilà, ça a bugué. Donc, on disait que Sigrid ressemblait à une nazie. Avec son uniforme, là. Abonnez-vous à ma chaîne. Donc, on va... Mais bon, je suis à la peur. Je vais relire. Mais non, elle a une bonne tête de dame. Bon, alors... De dame nazie. De dame nazie. Dame nazie, c'est mignon. Bon. Pour un Godwin, attends. C'est ça. Alerte pour un Godwin. Bon. Alors. Bonjour Olivia, quel plaisir de te revoir. N'aurais-tu pas fui Mathison? Non. Ah, je me demandais où cette petite est passée. Tu vois, j'ai décidé de lui faire l'école à la maison, car il n'y a pas d'école sur l'île. Ah, ça explique beaucoup de choses. Mais on dirait que mon fils Eric pense que nous devrions l'envoyer au pensionnat. Bah, comme si mon enseignement n'était pas au niveau. Nein. Moi, je l'éduque à coups de cravache. Regarde, en plus, à côté de sur sa poitraille, il y a une médaille. Ouais. Donc, c'est quand même un enseignement assez militaire, quand même. Je la plains, la gosse. Tu m'étonnes que l'autre, il veut l'envoyer dans une école. Pourrais-tu m'aider à trouver où elle se trouve? Elle est peut-être à la ferme. Merci, Olivia. Pourquoi tu me demandes cela? Aïe. Et oui, alors on peut lui demander si elle n'a pas vu par hasard Madison. Bonjour, est-ce que vous avez vu Madison? Mais pourquoi tu me demandes cela? Ah oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, elle était là. Dans la cave. Ah putain. Voilà. Elle est là, dans la cave. Je l'ai frappé toute la vie parce qu'elle voulait pas apprendre. Putain. C'est une petite chroude. Je trouve que... Je m'excuse déjà de la communauté allemande. Je n'ai rien contre eux. Mais personne n'a rien contre les Allemands, c'est juste drôle. De toute façon, les accents caricaturales, c'est fait pour rigoler. Désolée, mais là, t'as que Oli, par exemple, elle fait pas allemande. Hein. Non, Oli, elle est gentille. Rasta, en fait. La première fois que je l'ai vue, je me suis dit, c'est une Rasta. Ouais. Rasta, voilà, il y a une Indienne aussi à Epona. Ah, mais vous avez pas encore Epona. Genre, elle a les pieds nus et tout, c'est trop classe. Ça me dit quelque chose. Mais t'as pas Epona, c'est au niveau 16. Ouais, non, c'est bizarre, justement, ça me dit quelque chose. Bah, peut-être qu'on en a parlé quand t'étais là. Ah merde, du coup, j'ai pas du tout lu ce qu'a dit le bonhomme. Ah bah, je vais t'aider, mais j'ai raté aussi. Tu pourrais m'aider à empiler ces boîtes que le vent a fait tomber. Bah, je soupçonne que Jonas, ce fils de pute. Alors, c'est dans un film. Hein. On a rien contre les Jonas, hein. Qui ne les a pas empilés correctement dès le départ. Oh le coquinou! Enfin, quand même, les Jonas, ils sont un peu jaunes. Trop le rebelle. C'est trop un rebelle. Ah putain, mais vous rendez compte? Jonas, c'est un thug, il a pas empilé les caisses. Thug life. Putain, mais c'est passionnant, le mec il peut pas faire ça quoi. Non, mais c'est énorme. Non, mais c'est abusé! Putain, les caisses, elles sont à un mètre du truc, quoi. Ça va, Eric? Pas trop dur, ta journée? Le mec. J'hallucine. Ah. J'espère que ça prend bien le son, par contre. Arrêtez, j'ai trop peur, là. Non, c'est bon, ça fait tweet. Alors, quelle voix on pourrait lui mettre à lui, là? Il ressemble à un type qui... Enfin, vu ses yeux. Merci de ton aide, Ada. Il a l'air défoncé. Eh, merci pour ton aide. Je sais pas quel mot j'ai fait là. Mais où il passe? Tu vois le type qui sort d'une addiction de drogue.
Oh non, moi je vais trouver un espèce de bourge. Ah non, je sais, c'est Dexter. What? C'est moi la bourge, regarde. Votre monocle, père. Putain. Bon alors, on va les faire. Mais où est passé Madison? La blague, mais ça me démange un peu. Un soupir, je n'ai pas le temps pour ces enfantillages. Je n'ai pas le temps pour ces Tu enfantillages. vois le poisson que nous allons manger pour dîner? Ça m'énerve, Ah, c'est oh, mais c'est dégueulasse. dégueulasse! Oh! À moins que la famille aime le goût des Je vais faire entrailles un et tour des de la cailles. France. Je viens de me cracher dessus, c'était super. Pardon. Oh non, putain! Ah ouf, j'ai cru qu'on allait devoir éplucher le poisson. En gros, traduction, ouais, Népushima doit trouver la gamine, elle doit écorcher le poisson. Ah non! Mais elle est sérieuse, cette conne! Alors, je viens d'apprendre que notre personnage est une grosse soumise en fait. Le mec, il lui dit non, c'est bon, t'as pas besoin de d'éplucher mon poisson, c'est pas à toi de faire ça. Et elle insiste pour le faire. Mais qu'est-ce qu'elle est conne! Putain, on va devoir Voilà, tuer un c'est un poisson. moyen de te rendre compte aussi, c'est pour ça que tout le monde te prend pour un sbire. Je Alerte, t'ai on te conjure belle. de faire ton aide, mais ce n'est vraiment pas à toi de faire cela. Bon, Oh, pousse ton t'as un canasson là. couteau! D'accord, ok, bien, merci, alors fais-le. Tiens, prends mon couteau pour desserrer les poissons Ça, dans tu un vas aller seau bosser ma jaune. place? Oh, bah vas-y, hein, si tu Ah, j'ai veux. pas remarqué que j'étais dessus en Mais fait. oui! Je t'ai dit, pousse-toi, elle m'a même pas répondu. Bah attends, je me suis laissé dire. Vu que tu l'as pas lu à haute voix. Ouais, Bref. bah c'est parce que tout le monde a lu en même temps et ça m'a perturbée. Oh la Non, vache. Il fallait lui faire la voix d'Elmo Fritz en fait. De qui? Moi je m'en fous, je fais D'Elmo la voix Fritz. que je veux et De puis je moule m'en fous. frites? Tu Moule sais, ça frite. m'énerve. Qui? Ah, tu connais Ça pas? m'énerve. C'est celui Non. qui avait chanté Enfin, ça. oui, je connais vite fait la voix, enfin la chanson, mais. Bah c'est lui qui a chanté ça, c'est tout. D'accord. Moule frites. Non, Elmo Fritz. Ça ne t'a pas pris de temps. Sans blague. Tu dois l'avoir fait auparavant, merci. Ah Bah oui, non, j'ai fait ça c'est la toute ma phrase de la vie. meuf qui écorche le poisson, c'est ça? J'ai fait ça toute ma vie, j'adore ça. J'adore Tiens, Mathieu vas-y, dans le berceau. Goupille lui la suite. Alors, je prends quelle voix? Bon, au pire, on s'en fout. Au moins, les poissons sont prêts pour la cuisson. Es-tu certaine de ne pas vouloir rester pour Bah dîner? non, ça a l'air bien dégueu. D'accord, je comprends, tu as beaucoup à faire, mais l'invitation tient toujours si tu changes d'avis. Non, merci. Si tu changes d'avis, je me demande bien ce qu'il veut bien retenir de cette scène. Elle m'avait promis de ne rire. De nourrir les animaux de la ferme. De tes façons. Et franchement, je peux plus attendre. Ils ont besoin de manger. Avant qu'il soit À trop moins qu'ils ne soient affamé, trop d'ailleurs, putain, pauvre affamés. bête, tu laisses les tâches de la ferme à une pauvre gamine qui, elle quitte parce qu'elle en avait marre d'être ici, quoi. Olivia, ce n'est pas à toi de m'aider avec ceci. Tu as déjà fait assez. D'accord, si tu insistes. Mais Oui, non, mais j'ai dit que je voulais pas j'insiste t'aider. pas, moi. Merci, Olivia. Ah, lol. Non, ouais, genre, c'est pas ton perso qui lui demande, mais c'est lui en Hashtag fait. soumise. Hashtag soumise, ouais. Je vais mettre Non, ça dans la c'est vidéo. pas. En fait, c'est peut-être pas ton perso qui demande, mais c'est genre lui qui insiste. Ah bah, tu me réponds pas? Bon bah d'accord, bah si tu insistes. Hein. Hashtag soumise, quoi. Ah putain. Mais. Attends, de quoi l'item quoi? Bah, en fait, Du c'est pas ton folder? prénom, Non mais mais lisez le c'est. truc! Quoi? Euh, le. Geoffreur. Le nom de l'item. Geoffolder. Je pense qu'ils ont pas traduit. Geoffolder. Pygarden. Du folder, je. Geoffolder. Mathilde Jordan Pygarden. Et Bah, sinon, la c'est. traduction. Bon, c'est pas Ah, oui, ça, grave. c'est vraiment pas traduit. Et le jeu, il est quoi? Il est finlandais, je crois, c'est ça? Non, il est suédois. Et bah, c'est ça, en fait. Ouais, je sais, mais du coup, c'est marrant. Bah, disons que je pense que c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'équivalent ou. Non, Ils ont si, je galéré pense à que traduire. c'est juste. Ils ont même pas traduit la description, en fait. Ouais, c'est juste un petit Ah, oui, oubli, à mon avis. effectivement, ouais. Bon, bah, c'est juste parce qu'ils n'ont pas traduit, quoi. Oh, Ouais, les c'est. glandeurs. Putain, et vous me suivez en plus. Et moi, je retourne dedans. Attends, je vais trouver. Putain, c'est par là? Non, c'est là-bas. Oh! Jeff Putain, mais comment ça se prononce? Jeff Oden. Holden. Sinon, on dit du grain.
Ouais, aussi. Voilà, à la base, c'est du grain. Oh, les petits cochons qui sont mignons. Ah, c'est bien les seuls cochons que je trouve mignons parce que putain, j'ai peur des cochons. Ça me fait trop flipper. Mais je te jure, ça me fait flipper. Déjà, Pense qu'on peut t'imagines. t'acheter pour Noël alors. Non, mais en vrai, les cochons, à partir du moment où j'imagine que quand tu vas dans leur enclos, t'es pas sûr d'en ressortir. Tu l'as pas vu Hannibal Lecter? Non! À la base, les cochons, dans tous les cas, c'est omnivore et s'ils ont vraiment très faim, ils vont pas hésiter à te bouffer Mais quoi. oui, il y avait une Ouais, histoire c'est comme ça, un ça. mec qui était tombé dans un enclos au cochon, Donc, dans. il est mort. Voilà. Enfin, on l'a jamais retrouvé, en fait. Parce qu'il s'est fait bouffer. Alors. Allez, qui va lire? Non, mais s'ils sont pas affamés, c'est bon. C'est Maca qui lit. Prends ta boîte de Merde, chaudasse. c'était. Oh Ah, c'est pas non, toi, Maca! c'est moi. Ah, vas-y, Xan, prends une voix de chaudasse. Non. Allez. Moi, Mais je tu sais, bois. depuis tu sais comment t'occuper d'une ferme? Ah bon, j'étais à m'occuper des poules. Merci, mon gars. Tu réussis à tout compléter rapidement. Comme tu l'avais déjà fait avant. Ouais, bien sûr. Bien Mais sûr. c'est pas une boîte chaudasse, ça. Mais je m'en fous, je suis pas à moi de chaudasse, moi. Mais si. Je suis infiniment du fond de mon cœur. On est vulgaire, on est viré. Ah bah merde, alors Ah, ensuite c'est c'est quoi? vraiment gentil, Et hein. j'ai dit cœur, hein, j'ai rien dit Oui, je du sais, mais c'est moi qui dis cul. tout. C'est vraiment, vraiment gentil de m'aider alors que tu n'es pas du tout obligé de le faire. Un peu si, quand même. Un peu. Un petit peu quand même, hein. Vas-y, Un peu assume beaucoup. ton. Madison, on a de la chance que tu sois là, Olivia. Oh, la voix de Je sais pas chaudasse. ce que C'est un gars, quoi. je fais. Tu avais toutes tes Non, tâches mais dans la toi, journée. tu veux dire une voix de redneck, en fait. Il ne reste plus qu'à savoir où elle se trouve. Elle a complètement disparu. Je sais pas ce que je vous, c'est un mélange de Québécois, de C'est-à-dire que mecs tu viens d'une famille enrhumés. québécoise. Un québécois enrhumé. Putain. Pourrais-tu Pourrais-tu m'aider? m'aider à la retrouver? Merci, bah oui, évidemment. Je n'ai aucune idée d'où elle peut bien m'être, malheureusement. Ouh. Tu sais peut-être où elle est, peut-être. Je sais Moi, je peut-être où elle sais peut où elle est. être. Elle est au fond dans ta cave où tu l'as enterrée 6 pieds sous terre. Voilà, merci. Je pense que tu devrais commencer par aller parler avec l'ermite. Oh, C'est-à-dire l'ermite. l'ermite. L'ermite, qu'est-ce que tu fais à Madison, petite coquinou? Le gentil petit En fait, c'est pédophile. comme Casimir dans les Cassos. Ah, le gentil petit Je vous invite pédophile. pas à regarder. Maca, je suis sûre, j'arrive et je te double. Vas-y, double-moi. Ouais, je te vois en plus sur la carte. Mais oui, mais je suis juste derrière ton gros cul. Pardon. C'était la violence. Non, mais c'est Violence chaud parce que, vulgaire. genre en ce moment, c'est chaud parce que je sens bien mes os dans mon cul, donc ça me fait mal pour respirer, c'est What? chiant. Ouais, c'est vrai. What? Maca nous J'espère parle que tu des os sens de ton son cœur. cul. Bah, c'est ça. Merci, Maca. Pour cette instant glamour. Je vais me prendre du poids juste pour ça. Bah, prends du poids, mange plus. Je n'arrive pas. Si tu veux, je te donne mon ventre. Hein. Vas-y. Moi, je te donne mes bourrelets. Putain. Oh, il y a les chevaux sauvages. Je donne mon gros cul aussi au Ils sont passage. arrêtés et ils repartent. Oui! Oh, ils sont trop mignons. Écoute, maintenant, Maintenant, je c'est peux ça faire va te refiler mon bide être. aussi. De quoi, Xan? J'ai ma cas, je préfère te refiler mon bide. Par Ouais. contre, je garde les boobs. Non. Bah, tu pourras faire ce que tu veux avec le gras. Tu vas te les foutre dans les seins. Bon, c'est comme ça que les hormones fonctionnent. Ouais, bientôt, bientôt. Soon. Ça se Hop trouve, t'en auras des là! plus gros que moi. Vas-y, elle est passée par le toit, elle. Tu vas les allouer. Vais être jalouse. L'arbitre, c'est peut-être. Mais il est encore là, lui? Mais il est en bas. Non, mais ce PNJ là, c'est un PNJ, Ouais, c'est un PNJ. Ah non, c'est une fille. Pourquoi c'est Ah, une non, fille, je sais c'est pas pas. PNJ? Non. Ah, si, si, c'est une fille. Ok, je pensais que c'était un PNJ. Tail de Hey, machin, qui là. veux-tu? Poil au cul. Pardon. Alors Alors déjà, le Médecin de titre, quelque il me dit beaucoup part. de choses. Trois petits Exactement, c'est une points. concoction qui ne se trouve pas ici. Oh, tu m'as dit ça de quelque part? Wesh. Exactement, tu peux donc en conclure qu'elle ne se trouve pas ici. Au C'est vous, revoir. jeune petit jeune. Elle Petite conne, ne s'est pas va. ici, quoi. Elle ne s'est pas ici, quoi. Au revoir. Si je Je sais sais où où elle elle est, mes est. filles pêchent. What? Putain, tu l'as pêchée, pauvre gosse.
Tu dis que tu peux m'aider avec le filet. Bah voyons. Oh pardon, j'ai la Putain, moitié j'ai un peu rotée. ses outils, il est au boulot, connasse. La Elle était payée 2 € de l'heure. Je crois que t'es même pas payé tout court à la base, de toute façon. Si, t'es payé. Ouais, 10 pièces d'or. En amour et en compassion. Ah bah c'est mieux que rien. Surtout quand on voit le prix des équipements, c'est juste abusé en fait. On est sous-payé, on est exploité. Hein. Ah franchement, c'est Ouais, on voit les meubles au sol, l'arnaque. Point Godwin, quoi. De quoi? Pourquoi tu dis ça, toi? Ah ouais, C'est du Godwin. le nom de la mission était génial. Prends ces outils et mets-toi au boulot. T'annonces la couleur. Franchement, ouais. Tous les fenêtres sont réparées. Madison! Madison. Wesh! Putain, de l'Alzheimer, Putain, mais mec, sors de ton trou à un moment. Madison! Magat est un petit peu sur le Fish bonhomme quand même. Madison! Ah, non, mais c'est normal. Maintenant, mais Jean-Louis, c'est ça chiant. va? Elle est peut-être près du grand arbre. Il y a des pierres là-bas, les deux pierres, avec une autre par-dessus. Ah bon. Ouh, elle est cochonne. Je vais chercher les vers de terre. Tu vas faire quoi avec tes vers de terre? Tu te les fous dans le nez Non, avec tes vers de terre on veut partout pas dans la terre? savoir. Mais c'est ce qu'il y a après. Je ne peux pas le faire pour toi, tu es là, au revoir. Je l'ai mal lu en fait, désolé. Donc, en gros, il est parti se frotte-frotte. Ce frout-frout. La rue. Il y a des enfants qui regardent, arrêtez! Des La pierres avec rue. des bêtises qui sont assez haut quand même. C'est moi de méchante. Aïe, aïe, les pauvres gosses. Oh, puis au pire, on s'en fout, ils sont souvent pires que nous, hein. Ouais, c'est sûr. Bon, ma cat arrive ou tu prends le train? Je suis derrière vous. Ouais, bah va plus vite. Je suis à la bourre. Attends plus vite. Mais qui s'est Non, fait? tu l'as, le truc. Elle est là-bas, la Pourquoi ce petite. bug? Oh, elle est trop Tu vois chouchou. pas le brouillard ici, non? Non, tu crois? Tu l'as trop chou, putain, franchement, si je vois sa jupe. Non, mais elle a une jolie tête, je trouve. Elle est bien travaillée. Puis elle est quand même plus jolie que James et. J'avoue que moi, elle est un peu plus Ouais, c'est vrai travaillée que que ce James, qui était par contre, avant. c'est une erreur de la nature. Et comment s'appelle l'autre Gretchen, putain. Oh, ça Salut! aussi, c'est une erreur de la Salut! nature. Apprends la voix super chiante, vas-y. J'ai Salut! Génial, tu es là! Que fais-tu envie de la taper déjà. ici? Vas-y, dis la suite. Papa veut que j'aille faire mes devoirs? Oh, mais c'est Oh! ennuyant! Ce que j'ai fait en ce moment, Formidable! c'est bien plus am... Ennuyeux! Mais ça va, toi? C'est écrit ennuyant. Eh ben, c'est mal traduit! Et ben c'est toi qui es Je mal n'écoute traduit, pas! mais tu te tais! Je veux C'est toi qui as fini! la vidéo! Donc je disais, ce que j'ai fait en ce moment est bien plus amusant et tout aussi important! Je suis l'exploratrice Madison. Tu veux Viens avec participer? moi. Je suis l'exploratrice Madison, la meilleure exploratrice que le monde ait jamais vue! Et je suis en train d'étudier la race des chevaux la plus rare au monde, le cheval magique. Tu pourrais être Olivia, la fille qui parle aux chevaux, qu'en penses-tu? Bah, c'est un petit peu le cas, en fait. Bref. Alors, je vais pas faire mon petit commentaire là-dessus, mais pour moi, c'est Dora l'exploratrice Mais avec un peu de oui! coke. Let's go! Genre, c'est drôle, mais c'est celle de Cassous, en fait. T'as pas lu la suite? Non, bah oui, bah, j'attends que vous taisiez. Ah, vas-y. Nous pourrions prétendre que tu as vécu ici Ta sous gueule, nos... Vaca! Mais Vaca! Mais c'est moi qui veux la voix! Nous pourrions prétendre que tu as vécu ici sur l'île avec Fox Secret pendant plusieurs années et que tu m'as sauvé lors d'un naufrage. Ensemble, nous espérons trouver le roi cheval. Putain. Oh la vache! Night Dust, le roi cheval qui réalisera nos vœux si nous arrivons à le capturer. Car sinon, je ne retrouverai jamais ma maison. Allez Olivia, laisse-moi monter sur Fox Secret et chevauchons parmi les chevaux sauvages. Alors que tu vas à pied, hein. Oh, ça, tu te démerdes, hein. Nous allons rattraper Night Oh Dust. merde, c'est une course. Ah, Vas-y, une trop course. bien, une course. Trois. Je vois rien pour faire. Allez, on clique. 3, 2, 1. Oui, je sais pas ce qu'on doit faire. Ah, des cheval-cheval. Oh, ils sont trop beaux, c'est trop classe. Mais oui. Oh oui, viens Nono dans mes fesses. Elle me gâche un peu la vue, la gosse, quand même. Elle est au téléphone ou c'est moi? Ah non, elle écoute la musique. Elle se fait chier, hein. Vas-y,
D'ailleurs, j'ai oublié de mettre la musique du jeu, je suis conne. Mais on doit faire quoi? On doit les attraper. Putain, il y en a plus que d'habitude, non? Non, il y a des flèches. Ah non, c'est bah parce oui, qu'ils... Je pense qu'il y en avait plus, parce que histoire d'illustrer un peu la cour. Non, c'est parce qu'ils sont dispersés, c'est pour ça. On a l'impression qu'il y en a plus. Je sais pas, moi, ils étaient là au moment où je suis partie de la course. Oui, moi aussi, mais ça, c'est normal. Mais je me demandais, je vais y arriver, s'il y en avait plus que de base. Ah, elle est là-bas, la flèche. Pff, que dans le troupeau, mais en fait, non, c'est juste qu'ils sont dispersés. On se fait chier, hein. Ouais, c'est pas tout ça. Donc, mais... c'est un peu vide et je vois pas où tu peux chercher ton cheval magique. Mais c'est dans sa tête. C'est un petit rail de coke, ça va. Et Maca, on l'a tracé. Ah non, ça va aller là. Non, je suis là. Ah, on a fini. Elle finit. C'est qui ce cheval? Ah, il a complété la course avec succès. Mais il est trop mignon, ce canasson. Allez, vas-y, je lis. Ha ha, nous avons gagné, Olivia. Ha ha, c'était vraiment amusant. Je peux essayer à nouveau à l'infini. Non. Ah non, il faut qu'on descende du canasson. Oh non. Allez, on descend. On descend. On oh, regarde, Olivia. Quel joli cheval. J'aimerais tellement avoir mon propre cheval. Achète-toi-en. Popopo. Mais nous avons réussi à capturer Night Dust. Ça pourrait être Night Dust. Oh putain, ta gueule. Pardon. Cela veut dire que nos voeux se sont réalisés. Seront réalisés, pardon. Pouvons-nous prétendre que c'est mon cheval, s'il te plaît? Bah, si tu veux... Tu penses que je peux le flatter? Et là, elle meurt. Tu penses que oui, si je fais attention? Mais, Olivia, on dirait pas qu'il a envie que je le flatte. Oh merde, mâché sur la main. Pour vrai? Tu veux me montrer comment saluer un cheval? Mais tu es vraiment la fille qui parle aux chevaux. Tu es la meilleure. Tu vois, mon sourire. Je suis tellement heureuse qu'il se rend jusqu'à la lune. Putain, elle est perchée. Elle en a trop pris. Si tu me montres comment saluer un cheval, je te promets de rester ici, à côté de toi, en silence. Ah bah, ça nous ferait des vacances, hein. J'aurais bien voulu plutôt que tu te mets pas à côté de moi tout court, en fait. Oh, il est trop mimi. Regarde, il faut t'approcher du cheval et faire salut. Voilà, tu te casses. Très vite. Il est trop mignon, le petit. Oui. J'ai hâte. Vivement la semaine prochaine qu'on puisse déjà acheter. Regarde comme il est calme. Je t'aime bien. Tu es tellement cool, Olivia. Ouais, je sais. Merci. Cool, c'est mon second nom, en fait. Oui, je m'appelle Cool. Hihi, salut Night Dust. Night Dust, c'est parti en couille là. Bon. Ouais. Je pense que Night Dust m'aime bien. Non. Hihi, il est si doux et câlin. À partir de maintenant, ton nom est Night Dust. Tu es le roi cheval. Oh, tu es mon cheval à moi. Haha, Olivia, je viens d'avoir la meilleure idée du monde. Je te promets que c'est encore mieux que mieux. Oh putain. Tu vas devenir mon cheval. Nous devrions. Oh non. Tu m'as tué. Nous devrions faire la course. Oui, toi et Fox Secret contre moi et Night Dust, s'il te plaît. Alors attends, tu vas monter un cheval sauvage. Ça va pas être compliqué en plus. Non, Pierre, elle va tomber, il faudrait que tu la crânes et mourir. Ouais. Pourquoi sembles-tu hésiter? Allez, aide-moi à monter sur Night Dust, il m'aime bien, il s'y opposera pas. Oui, bien sûr, mais t'as cru qu'un cheval c'était un manège ou quoi? Putain, et en plus on cautionne ça. Mais elle est montée dessus, j'hallucine. J'hallucine. Je t'avais bien dit qu'il irait bien. Night Dust est super calme et gentil. Regarde, Olivia, je chevauche sur le roi cheval. Ta gueule. Ta gueule. Pitié. Pitié. T'as pas fini encore, là. Ouais. Regarde, Olivia, je suis assise sur Night Dust sans avoir besoin de me tenir. Et dès qu'il va partir, tu vas t'envoler. Allez, Night Dust, t'enroules vers la lune et plus loin encore. Pourquoi? To the moon. Biatch! Ouais, comment tu fais ça là? Pourquoi se fait-il pas galoper, Anna? Il reste immobile. Ah, je crois que je comprends. Merci de m'avoir expliqué, Olivia. Ok, je vais essayer. Allez, garçon. Ah, pourquoi fait-il ceci? Calme-toi, Night Dust, calme! Olivia! Night Dust, je ne semble pas vouloir se calmer. Que dois-je faire? Pour moi, le cheval ne bouge pas. J'avoue. Ah, si, il s'excite là. Bah. Elle est calme, le cheval, elle regarde la caméra au moment du genre. Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire?
Oh, comment as-tu fait cela? Tu l'as immédiatement calmé. Ouais, style biatch. Bon. T'as vu ça, ça fait du swag. Merci de m'avoir aidé, Olivia, mais je crois que je suis capable de m'en tirer par moi-même maintenant. Ou peut-être pas. Olivia, comment puis-je l'arrêter? S'il te plaît, reste, Nigel, ça suffit, je ne veux pas vraiment aller sur la lune. Stop! Nigel se met à galoper à toute vitesse avec Madison sur son dos. Tu dois chevaucher aussi rapidement que possible, calmer le cheval sauvage avant qu'il ne blesse Madison! C'est vu, j'ai. Oh, une cinématique! Trop Ouais, mignon! c'est Trop bien, trop bien! Là, tu peux l'entendre dire, appelle les urgences, je vais tomber, Ah, oh, ça va, nos chevaux, ils sont tous empilés, c'est beau! Attendez, je vais juste mettre un petit peu le son. Allumer le son. Voilà. et je monte le son. Oh. Bah alors, il est où? Viens là! C'est bon, j'ai je... Ah, faut cliquer. D'accord. Il va trop vite, il va trop Oui! Maca qui est loin derrière! Ah, putain! Reviens! Coupe, Nono, coupe! Oh là 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 là, vous êtes nuls, je suis nul du premier coup, moi! Non, c'est parce que moi je savais pas qu'il fallait cliquer. Il y avait des trucs Ouais, oranges. mais des fois, quand tu vas sur les trucs orange, ils s'arrêtent direct, comme les chevaux de Steve, par exemple. De Steve, de Ferdinand. C'était incroyable, Olivia! Nous devrions. Oula! Qui c'est qui mange son micro? C'est Maca. Nono! Tu fais des bêtises! Nous On pourrait devrions. presque refaire cela. Non! J'ai failli mourir, mais c'est pas grave. Tu es apparu de nulle part avec Fox Secret. Merci. Je suis désolée de t'avoir effrayé, Night Dust. Nono, c'est très désagréable. Ouais, j'ai rien fait. Bah, ça fait un bruit de micro. Non, j'ai un push to talk. Ah, bah, je sais Là, pas. c'est un bug de son push-to-talk. Ah, merde. Tu peux partir maintenant. Nous nous reverrons bientôt. Au revoir. Non, je vais pas te revoir. Oh, il fait au revoir de la patte. Au Oui, moins, t'as le raison. cheval, il est intelligent. Mon micro s'active tout seul. Mais oui, t'as vu? C'est bizarre. Eh bien, prout. Là, tu le règles après. C'est pour ça que t'as pas fait de la soirée à part maintenant. Tu l'as attrapé en fait, Nono? Ouais, j'ai réussi. T'es toujours en train de courir derrière. J'ai réussi à attraper. Alors, qu'est-ce qu'a dit cette petite fille? Je promets que je vais me tenir loin des chevaux sauvages, Olivia. Mais avoue que c'était vraiment amusant, en tout cas. Mais elle est conne. Je veux dire, nous avons capturé un cheval sauvage. Mon vœu de posséder mon propre cheval sauvage a été réalisé. Et j'essayerai de le visiter à nouveau. Ok. Pardon, de visiter. De lui rendre visite à nouveau. Le visiter, c'est québécois. Faut pas chercher. En fait, j'ai J'apporterai peut-être des carottes la prochaine fois. Oh my god, c'est trop intéressant. Je te promets que je serai plus prudente la prochaine fois. J'ai essayé de vendre des chevaux sauvages auparavant, mais cette fois-ci, c'était vraiment la meilleure tentative. C'est juste tellement cool. Vous savez, elle me fait penser à Rainbow Dash, en fait. En plus chiant. Trop cool, hein. Allez, vas-y. La suite. Tu as raison, Olivia. Nous devrions rentrer à la maison. Mais est-ce que je peux monter? Non! Sur Fox Secret avec toi, on pourrait prétendre que toi et moi, agent et commandant, nous devons nous rendre à la forteresse Hightower. Je sais pas comment ça se prononce. Hightower. C'est un bon nom, n'est-ce pas? Super accent, n'est-ce pas? Parce que, en fait, je suis une princesse qu'on m'a jeté un mauvais sort. Putain, mais elle a beaucoup d'imagination, hein? Elle est gentille, hein? Pourquoi on fait Voilà, ça? tu peux avoir l'imagination, mais elle, c'est carrément de la débilité profonde. Pour moi, il Non, pas faudrait que débilité. je le jetterais du haut du phare. Elle n'est pas débile, elle est inconsciente. Nuance. Bref, Elle est donc. débile. Et ce mauvais sort ne peut être rompu que si j'ai fait mes devoirs. Non, ça sonnait plutôt ennuyant. Disons, oui, un test de sagesse. Un test de sagesse revient tous les jours, grâce à la magie. Et si je ne réussis pas, je serai perdue à jamais! Agent Olivia! Nous devons vous rendre à Hightower. J'ai dit test de grossesse? Non, c'est moi qui ai dit Ah, j'ai eu peur. Tu dois m'aider à m'y rendre à temps, avant qu'il ne soit trop tard. Allons-y! Attends, Olivia, tu as entendu ce bruit? Le bruit étrange qui semblait provenir de là-bas. Je te jure, j'ai entendu quelque chose. Viens, allons voir ce que c'est. Non. En fait,
Il est où le bruit étrange? Bon, c'est pas tout ça, ils vont se faire ta Madison. Donc on va demander à tes parents, hein? On va te faire prendre tes petits cachets, hein? Les petits cachets. Tu sais, les petites pilules. Wow! C'est la débandade! Oh! Il s'est passé quoi? What the fuck? What the fuck? What the fuck? J'ai pas tout compris. Attends, Olivia, écoute bien, on dirait que le son se rapproche. Oh, mais j'ai peur là, c'est angoissant, hein. Olivia, tu entends ce son toi aussi? Pourquoi tu as l'air aussi inquiète des chevaux? Tu as raison, ce sont des centaines de sabots qui viennent dans notre direction. Ça doit être des chevaux sauvages. Oh, je le vois, ils se précipitent vraiment. Quelque chose doit les avoir effrayés. C'est toi, force de Pardon, putain, la pauvre Nono qui avait mal au crâne en plus. Jean-Olivia, tu as entièrement raison. Devons nous mettre à l'abri. Mais où as-tu une idée? Oui. Non, en fait. Il se passe quoi si on bouge pas? Ils arrivent ou pas? Non. Bah, je sais pas, attends. Oh. Ça va mourir. Mais moi, je veux mourir, moi. Bon, bah, tant pis, hein. On mourra plus tard. Bon, bah, c'est chiant la mort, en fait. C'est chiant la mort, hein. Oh, trop bien la cinématique. Bon, il n'y a pas l'air d'en avoir 100, hein, des chevaux. Ouais, pas beaucoup, hein, une vingtaine, mais pas. Non, il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il y en a 10. J'aurais compté plus. Il y en a deux de chaque. Il y en avait plus. Il y en a deux de chaque et il y a un seul noir et un seul blanc. Donc. Fiouf! Mais pourquoi couraient-ils? Bah, ils ont envie, je sais pas. Attends! C'est le son que j'ai entendu plus tôt. Allez, Olivia, quelque chose a effrayé les chevaux. Je veux découvrir la source. Mais non, c'était peut-être des pirates ou bien l'ermite m'a parlé d'un cheval fantôme une fois. Viens, vite, Olivia. Bah lui, je pense qu'il n'y a pas que les carottes qui le fument. Hein, non, mais il fume les vers de terre, en fait. C'est pour ça qu'il cherche les vers de terre. Non, il aime bien s'occuper de son vers de terre, surtout. Non, mais Maca. C'est dégueulasse! C'est vrai, ouais, j'avoue, là, c'est ça. Non, parce que oh non! C'est quoi? C'est un bateau de Dark Core. C'est. Ouais. Le bateau des méchants! C'est un gros pollueur. C'est pour ça qu'il chauffe. Oh, du pollueur. Un ferry! C'est étrange, il ne devrait pas y avoir de ferry ici. Seuls les ferries partent du port. Enfin, les seuls ferries partent du port, pardon. Mais Xan, tu te mets devant le bonhomme! Mais c'est Maca qui se met devant moi! Grand-maman m'a raconté un milliard de fois à quel point les eaux autour des îles sont dangereuses et combien de bateaux et de navires y ont fait naufrage. Pourquoi un ferry viendrait-il ici et pas au port? C'est vraiment étrange. Je crois que ceci est une enquête digne des deux détectives, Olivia et Madison. Moi peut-être, toi, non, je crois pas, non. Alors toi par contre, tu n'as pas assez l'âge pour être en détective, donc tu te casses. Si tu veux bien m'aider, bien sûr. Tu veux bien? Hourra! Non mais c'est juste parce que je veux savoir ce qui se passe. Hein. Ensemble, nous allons résoudre ce mystère. Je suis presque certaine que c'est le bateau qui a effrayé les chevaux. Oui, ça s'arrange. Ah putain. Toi aussi? Mais que fait ce bateau ici? Détective Olivia! Et j'y c'était des pirates! Cela signifierait qu'ils ont caché un trésor quelque part ici. Haha! Elle me donne mal au crâne en fait. Putain, mais je pourrais pas jouer avec une fille comme ça, changer tout le temps d'histoire, ça me... Ouh. Bref, ça ne fait rien de chercher en tout cas. Allons trouver le trésor du capitaine, j'ai pas lu son nom. Si tu cherches, je serai ici. Ok. Ok. Alors, tu sais, c'est juste des mecs qui font des choses illégaux. Illégales, non? Ah, comme... Je sais pas. Bah, y a pas qu'une seule chose qui... Mais ça se... C'est une chose, donc ici, illégal. C'est moi qui a pas réussi à descendre. Oui. Ouais. Ah, des gens sont passés par ici. Attendez-moi. Ces empreintes de sabots dans le sable a dit que les gens sont passés par ici. Waouh. Putain, j'arrive pas à descendre. Bah fais le tour. Et con. Arrête, tu vas être reporté chez toi, là. Tu découvres les empreintes de pattes. Mais non, j'ai encore de la vie. Oh, elle va tomber. Elle va mourir. Non, mais arrête, ça. Fais le tour, sérieux. Bon, dernier essai. Là, ça a marché.
Rien, je n'ai rien trouvé non plus, pas même une empreinte, mais on a trouvé des empreintes. Olivia, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment étrange. C'est comme si toutes les empreintes avaient été effacées par quelque chose du genre. Ok. Quelle bonne idée, Olivia, tu as raison. Grand-maman ou maman ou papa savent peut-être quelque chose au sujet du féerie. Tu ferais une bonne détective. Allez, viens, Olivia. Allons voir grand-maman. Si quelqu'un sait quoi que ce soit à ce sujet, c'est elle. Elle est toujours au phare. Elle va te cravacher, ma vieille. Tu vas le sentir, hein. On attend Elle Xanou. va t'enfermer dans le phare et tu vas. Là, t'enfermes dans le placard. Mon cheval est en train de décéder. Pareil, il est dans le mouchoir. Pareil. Mais on peut pas les soigner ici, ça craint. Nut, nut. C'est de l'autre côté. T'imagines, c'est pour lui faire le klaxon sur son cheval. Tut. Tu, En tu, fait, tu, tu, tu. tu Genre dois. le klaxon de la vieille voiture des années 20. Oh oui, putain. Pouh, putain, il est trop bien ce klaxon. Mais bon, on n'est pas dans GTA, Maca. T'imagines le klaxon scotché à la rage sur Pauvre son cheval. cheval, putain. D'ailleurs, je suis étonnée que Lélie ne soit pas connectée. Qui? Lélie. Non, elle m'a dit qu'elle pouvait pas ce soir. Donc, Ah, je sais j'ai des pas. images. J'espère qu'elle a pas. Ouais, ils sont là. Ah, tu les vois aussi? Cool. À droite, ils étaient. Ah Ouais. ouais, moi aussi. Ah, bah, c'est cool. Ah bah, je crois parce que vu qu'on a fait la quête, vu qu'ils sont arrêtés, c'est pour ça. Ouais, c'est possible. Ils ont juste Ils bugué, en fait. sont buggés. Non, Lénie, elle m'a dit qu'elle pouvait pas et j'espère qu'elle va bien parce qu'elle m'a pas répondu. Non, c'est quelqu'un. Oiseau, que ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles d'elle. Bon, pareil. Bah, Ouais. après Pâques. Après, depuis Pâques. Moi, j'en ai eu entre deux. Enfin bon, on va pas parler de la vie de Lenny alors que tout le Oh, monde va c'est nous vrai. entendre. Ouais, Lenny, on te c'est fait des vrai. bisous, voilà. Bisous, bisous, les billes, on pense à toi. Oui, Prost. tu nous manques. Bon, bah on se fait Ah, chier, hein. j'ai encore mangé. Pas tout ça, mais. Le temps qu'on arrive. Il est beau ce phare, hein, n'empêche. Ouais, ça va. Non, t'es pas convaincu, toi. Disons que c'est pas Bah, en ça, fait, c'est je qu'un comprends pas pourquoi il phare y a n'a pas deux de faisceaux bois de comme lumière, ça en à la fait. base. Enfin, j'en connais pas du moins. De quoi? Je Du comprends pas pourquoi il y a bois deux faisceaux sur de un lumière. phare. Attends, parce que vous parlez en même temps. Toi, tu comprends pas parce Oui. qu'il y a deux faisceaux de lumière, Exane? Parce qu'il y a du bois sur le phare. Et alors? Et l'eau de mer, ça pourrit le bois, quoi. C'est toi le bois. Allez, vas-y. Oh putain, Oh, faut bien des refaire sandettes, la Lana. nacille. Ça fait pas Te des bois, voilà en fait. enfin, Matisson! Oui, s'il y a un truc protecteur, ça devrait pas. Bref. Rebonjour, Olivia! Heureuse de te revoir. Merci d'avoir retrouvé Matisson. Matisson, tu es en retard! Nous devions commencer les études. Il y a tes sœurs de cela. Allez, va chercher tes livres pour que nous puissions enfin commencer. Matisson, qu'y a-t-il? Oh, zut, je voulais l'avoir cravaché, moi. Bon. Moi aussi. Mais Xan, t'es sur la piotte! Grand-maman, attends! Olivia et moi devons te parler de quelque chose en premier! C'est super, super, super important! Oh, tais-toi! Juste tais-toi! Olivia, merci d'avoir retrouvé Matisson et de l'avoir reconduite à la maison. Il est Elle va maintenant temps. déjà la cracher, recracher. Il est maintenant temps. Mais tu te tais! Il est maintenant temps qu'elle fasse ses devoirs. Elle a très très bientôt. Elle a un test, pardon. Elle a un test très très bientôt. Et il lui reste beaucoup à étudier si elle veut passer cet examen. Ouais, Je je ne. pense pas qu'elle veuille. Je commence à bugger, tu sais. Je ne pense pas que vous me mentiez, mais il est vraiment improbable qu'un ferry se soit arrêté à cette plage. Il s'est peut-être trompé de route, ou bien la brume et la lumière vous a joué des tours. Sinon, tu peux nous croire aussi, grognasse. Bon. Les gens croient souvent voir des choses étranges sur ces eaux, comme des monstres marins et des sirènes. Oh, comment elle vient de C'est dire que vraiment Nessie, c'était tragique. faux? Bah, la drogue, elle est pas mal, hein, dans ce pays, hein. Allez, va chercher tes livres et nous allons commencer la lecture. Mais j'ai pas envie, moi. Quand maman, je t'ai promis, Ah, moi pas du je tout. sais Bah, ce après que tout ça, j'ai déjà crevé, donc. j'ai vu. Il avait un ferry et il était très étrange. D'accord, je vais chercher mes livres d'école. Psst, Olivia, rejoins-moi à la ferme. Non.
Allez, on y va. Putain, elle est vachement longue, hein, n'empêche, qui est en dessous aujourd'hui. Bah, c'est cool. Ça change. Aïe, aïe, aïe. Et Nono qui est loin derrière. Adieu, Nono. Nono, quel petit robot. La pauvre. J'ai fait exprès de dire que j'étais marrant. Allez, c'est parti, mon kiki. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a écrit sur Mumble. Sur Mumble? Ouais, j'ai entendu une voix du Mumble. Ah bon? Je sais pas. Non. Elle est où l'autre? Elle est là. C'est juste pour moi alors, peut-être. Ouais, c'était un message privé. Lily te disait qu'il allait te faire des cochoncetés. Alors, Xan, je sais pas où t'es partie, mais elle est je là, sais pas, ma je la cherche, la gosse. Mais elle est là, dans la ferme. Et ça à côté de nous. Là, en fait. Comme ça, là. Bon, je dois retourner voir grand-maman, mais je te promets que toi et moi irons au fond de cette histoire de fairy. Ouh, c'est bien chaud. On se revoit plus tard, Olivia. Je dois me dépêcher, je suis... Mais elle s'est remise sur le bonhomme. Mais c'est pas possible. Tu t'es refoutu sur le bonhomme. Je suis déjà assez en retard. Ah oui, papa m'a dit de te donner ceci. Il dit que c'est pour te remercier de l'avoir aidé à la ferme. Au revoir. C'est fini? Il n'y a plus d'émission? Alors, voyons voir le haut. Oh, putain, j'en ai marre de cette gosse. Oh là là, regardez mon cheval, il tourne à l'envers. Voyons voir le haut. Puis je bug, là. Je le porte. Mouais. J'aime pas. Ouais, non. Bon, ça va encore, il y a pire. Oui, mais il y a mieux aussi. Il y a mieux, c'est sûr. Bon bah... Toi, Maca, ça fait gros intello, toi. Putain, mais Maca, cette gueule, c'est pas possible. En fait, c'est le maquillage qui est moche. Et moi, j'ai un monocle. Oui, mais bon, toi, on peut plus rien faire pour toi. Hein. C'est trop bien, parce que les chevaux, ils ont une taille différente. Non, mais on s'en fout, hein, en fait. T'es content. Ouais, c'est comment on l'utilise, en fait, attends. On a nos chevaux par taille de blouse. C'est ça. Putain, n'importe quoi. Ma cat, elle est plus petite. Bah non, ma cat aurait dû prendre un poney. Bon, allez, on y va. Ouais, bah arrêtez. Bah du coup, si on n'a plus rien à faire, on peut dire au revoir aux gens. Ah bah oui, alors. Parce que les quêtes sont terminées. Dire au revoir aux gens, voilà. Tout le monde à revoir. Eh ben, oups, j'avance au lieu de reculer. Tu vas un peu trop loin. Pousse les bouchons un peu trop loin, Maurice. Bon, ben voilà, les gens, on a fini les quêtes de cette mise à jour du je sais plus combien on est. On est le combien, le 27, je crois. J'en sais rien, mon portable. On est le 27. Merci, Maca. Du coup, cette mise à jour du 27, on est quel mois? Putain. Je suis à côté de la blague. Oui, c'est ça. 2016, c'est bon, je me rappelle de l'année, c'est déjà ça. On espère qu'on vous aura diverti, amusé. Abonnez-vous, mettez un like. N'hésitez pas à m'ajouter sur Startable si vous voulez parler. Je suis sur le serveur 2. Ou ajoutez une des filles si vous voulez parler avec elle. On mord pas, normalement. Si. Normalement. Prévenez juste un petit coucou que... Voilà, histoire qu'on ne m'ajoute pas à l'arrache. À l'arrache, ouais. Bref, on vous fait des bisous. Salut. Salut.